à travers donc cette journée, nous voulons également nous arrêter un moment et voir ce que nous avons eu à faire, mais aussi identifier ensemble les défis qui restent à relever pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 5 qui vise à réaliser l'égalité des sexes et surtout à autonomiser les femmes et les filles. Et donc, dans le cadre de cette activité, PASSERIS, le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive, a voulu saisir l'opportunité de la Journée internationale de la femme de cette année pour faire entendre la voix des femmes et des filles qui se battent au quotidien pour réaliser cette égalité des chances. Cette année, le thème qui a été retenu pour célébrer la Journée internationale de la défense des droits des femmes, c'est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 ». Et à travers ce thème, on veut vraiment mettre en exergue les efforts considérables qui ont été déployés par les femmes et les filles dans le monde entier pour réaliser un futur égalitaire dans ce contexte COVID qui sévit et qui vraiment ravage. Et il faut dire que les femmes sont au devant de cette lutte-là. Même dans le contexte COVID, c'est encore les femmes qui sont les plus touchées. Et quand nous nous référons au rapport récent de ONU Femmes, si nous ne prenons garde, si rien n'est fait, la pandémie risque de nous ramener en arrière de 25 ans. Et donc, par rapport à ça, ce thème, c'est vraiment pour attirer l'attention de tous, aussi bien les politiciens, les décideurs que les acteurs du terrain, attirer l'attention de tous pour que nous puissions redoubler d'efforts pour amener vraiment tout le monde vers l'égalité des sexes et particulièrement les femmes qui sont au front par rapport à la pandémie de la COVID-19.